dans cet air. Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui craint Dieu. Sois toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la foi, fidèles téléspectateurs, en plein milieu de cette semaine sainte, je souhaiterais inviter chacun, chacune de vous à s'approprier avant tout quelque chose qui nous sera dit tout à l'heure par le prophète Isaïe, à savoir la parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Mboki Gemkati, Yeninui Setan. Bogona Kunek, Def Momelam, Kaddu Isaï Yonenti, Yinyonara Deg, Tikanam. Kaddu Ile, Batu Yalle, Angimeye, Bucek Bunek. Bucek Bune, Badbi Yenama, Madi Deglu, Nikiki Nangu, Nyudiko Djangal. C'est en sachant écouter que nous pourrons nous conformer à l'appel de l'antienne d'ouverture de la liturgie de ce mercredi saint qui exhorte chacun en ces termes. Qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel et sur la terre, dans les enfers, parce que le Seigneur s'est fait obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu son Père. Oui, ce nom béni signifie Dieu sauve. Pour qu'il nous sauve encore, écoutons attentivement sa parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir ce qui est épuisé. Chaque matin, il éveille. Il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur, mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur Tout-Puissant. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte et que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte
et l'insulte retombe sur moi. L'insulte m'a broyé le cœur. Le mal est incurable. J'espérais le secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au Christ notre roi. Toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12 nommé Judas Iscariote se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour aller manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis. L'un de vous me livrera. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui livrait, prit la parole et dit: « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi-même qui l'a dit. » Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Chers frères et sœurs en Christ, fidèles téléspectateurs, de la parole de Dieu que nous venons d'entendre, nous pouvons ensemble relever à dessein une thématique, à savoir l'attitude ou le comportement d'un disciple. Cela, nous voulons le souligner en trois points.
D'abord, l'attitude de l'écoute. Celle-ci devrait être l'attitude propre à tout disciple du Christ. Lorsque nous choisissons de l'écouter, seule la parole de Jésus peut nous arracher de l'absurdité d'un monde qui a perdu sa boussole, pour nous réorienter vers notre finalité en Dieu. Le courage de persévérer lorsque nous n'en pouvons plus nous vient de la parole de Dieu comme message d'espérance. Ce que nous transmettons à notre tour pour réconforter celui qui n'en peut plus, c'est dans la parole de vérité et de vie qui ouvre un chemin de bonheur que nous le trouvons. Acceptons donc, comme nous en appelle le prophète Isaïe dans la première lecture, de nous laisser ouvrir l'oreille et d'écouter la parole en étant seul, en étant en communauté ou en étant en famille. La deuxième attitude est celle de la confiance, de la fidélité. Notre amour du Maître doit nous amener à une entière confiance en lui, mais surtout à une constance, signe de notre fidélité à lui. Malheureusement, nous le voyons, un des disciples de Jésus, un de ceux qui lui étaient proches, le trahit, c'est-à-dire brise cette relation de confiance qui existait entre eux. Oui, Judas a trahi Jésus. Oui, Judas a été trahi aussi par l'argent. Ce vrai concurrent de Dieu, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent, nous dit Matthieu dans son chapitre 6 au verset 24. Et ce Judas, n'est-ce pas le prototype de chacun d'entre nous? Judas a préféré l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, pour paraphraser en substance Saint Augustin. Judas n'a pensé qu'à lui-même, et en s'émancipant de la bonté de Jésus qui venait de lui donner son corps à manger, on peut comprendre que Jésus en soit profondément troublé au fond de lui-même. Enfin, une troisième attitude pourrait être celle de l'accueil. Si nous accueillons la joie comme un don de Dieu, la souffrance, pourquoi ne devrions-nous pas l'accepter comme également un don de Dieu, un temps d'épreuve? Le disciple est celui qui sait accueillir la souffrance lorsque elle est injustement imposée, comme au serviteur souffrant du livre d'Isaïe. Ce qui nous soutient toujours, c'est la parole de Dieu, cette parole qui s'adosse sur notre foi et notre espérance. Car nous savons, comme dit le prophète Isaïe, que Dieu est à notre secours, il prend notre défense. Kertien Yissoumay Mbok, Yen Gumkat Yinyo Setan. Sunu de tank li batu yalla gi ñu deg ci bes yu sel yi le rawatina ci besu allarba bu sel bi le di ñu jémantal mën nañu ci japp ñetti ponk ci sunu taxawayu talibé u sunu borom Yesu Krista taxaway bi jëkk ñu ko tibé ci jangat bi jitu moy ñu doon ay surga yu nangu deglu baatu yalla baat gi ñu wara yé bes bu nek
Batu yalla gi nuy geussam bes bu ne Batu yalla gi neexu la deg yenn say ci sunuy nop ndege namuy diselé sunu xol ci fatel nu deug sunu nitef ndax deug neexul ba ca top don taxawayu surga bi nga xamni ginaaw besu banex yiko yalla ciirel ci adinam warna agalit itam te nangu besu nakhar su feugge ci buntam tumal nanuma sosal nañuma dor nañuma ndax ngeum gima top ndax itam yen say lamay def mba lama deful damay nangou rek wer lepp ci yalla wer lepp ci yalla te sax jam su munulé bañ day nangou te dello yakaram ci yalla lolou lé warna gëna firndew ci bes yi lé ñu nekk di besu tis ak njaxaré ginaaw li lé ñu jankontel di fébaru covid 19 ci lewansil bi dinañ ñu won benen taxaway bi war talibé ci kanamu surga dinañu faral di dégg ñuy wax né paka bi lay rendi ki la jégé mokoy das té ñu tek ci yeen say né sama waji bobu na fekk mu mat way buñu gaawa atté tay yuda ci lewansil bi nañu sam suñu taxaway buñu gaawa joxogn baramu tuuma suñu mbokk suñu xarit yuda dedet lolu du suñu waref ndege yalla rek modi atté kat bu mag bi yuda nak lukka mu sellami bamu koy lim ci apotari dafa ni won yuda wa iskariot mi warona wor yesu manam yuda judduwul ak nekkinu wor kat kenn ci adina silé judduwul nek wor kat mba nek nafek mba nek fen kat mba nek satch kenn lilé daf ñuy dab ci sunu yoonu adina danu koy for ci sunu nekkin u bes bu nek yuda su bonon ci ñeul ben amana borom bi du ko tan be mu meuna nek ci diggu apotar yi te ñu denk ko gafaka xaliss gi mbotaayu apotar yi bokke woon te sax bunu fatte ne sunu baramu tuuma bi talalu angi denc ñett yu jeme ci ñun ku nek bok wara set sa taxaway na jëfu yu da tay ji lay doon ci ñun setu manam fi ñuy fësele sunu jëm fi ni xolé sunu bop sunu nité ci li lendem ci ñun manam ci lu ñu yor ci baka lilé la ku nek wara xalat ginaaw lewansilu tay ñaata yo le nit di wor xaritu ben bakkanam ndax alalu adina silé ñaata yoon le jëkkeer mba jabar di wor nawlem ngir rek mbugalu adina ñaata yoon itam la doomi adama di wor domam beyen say seitané hirko mu daldi ko tayle kertieni sumay mbokk
ku nek mën na sét ci dundam naka la joté nek workat té mu nangou tu nanu xamné rek yesu ci yermandem namu suturalé won yuda be dikul rek wèr ko ci kanamu inawlem nonu itam la suturalé ku nek ci ñun ci bakar ba mu def ci bakar ya feñ ak ya neub ndax yalla musula gem te moma xam sunu bakar yi ci sunu dunde nanu kon bok suturalante ci sunu bi te ñaan yalla ci yermandem mu dekk di nu sutural sa su nek Prions encore le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils crucifié pour nous le soit afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Nous te le demandons par lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant, plein de miséricorde, nous bénisse et nous garde dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Surtout avec la parole, l'homme est jugé et perfectionné. Il peut entrer dans son royaume. Ceci grâce à sa parole.